J'ai porté mon drapeau aux quatre coins de la planète. Le jaune et le vert et ma couleur alors respecte. Mauritanie, ma terre, la Hagra, faut qu'elle s'arrête. Ici, la démocratie s'est barrée en charrette. Le pays me révolte, trop de conservation. Les mentalités nous menottent, stigmatisation. Ça sonne comme une fausse note, exaction. Je marche sur les cram-cram de la révolution. Toutes ces inégalités m'ont rebellé, kidnappé le pays et craché sur le respect. Les jumelles de la présidence ont besoin de netteté. Faut qu'on les pompe. Les multinationales, elles, nous ont pompé. Nos ressources dilapidées, le patrimoine est braqué. Dixit, Awadji, no man, faut les stopper. Mon nom d'artiste, c'est Monza, ça veut dire musique originale native de la zone Afrique. Ça a commencé du jeu à la passion, de la passion à l'amour, de l'amour, on va dire, au travail. À la base, je faisais du rap parce que ça me plaisait bien d'avoir découvert Positive Black Soul dans les années 90, on va dire Positive Black Soul, IAM, MC Solar, etc. Et puis on s'est prêté au jeu. On dansait, on était une dizaine de jeunes Mauritaniens qui se retrouvaient le soir pour danser au stade. Et après, on faisait des freestyles, donc on s'amusait comme ça, on fait des joutes verbales. Et petit à petit, en fait, on s'est retrouvés à enregistrer des chansons et organiser des concerts. Et finalement, aujourd'hui, on est en plein dedans, quoi. C'est, on va dire, des rencontres avec des gens, c'est une autre façon de vivre en dehors du cercle familial, parfois même en dehors d'un certain clivage social qui existe en Mauritanie, où le rap était considéré comme, on va dire, négatif, simplement. Et j'ai fait beaucoup de rencontres dans ma vie d'artiste, que ce soit ici en Mauritanie ou dans la sous-région ou en Afrique de façon générale. Aujourd'hui, je me sens pleinement enrichi, en tout cas de toute cette expérience qui a fait de moi un artiste à part entière en Mauritanie, considéré comme tel, mais aussi ça m'a permis de mener un combat que je crois être juste pour l'Afrique. Pour moi, je disais beaucoup, et je lis encore d'ailleurs, et je vois qu'en Afrique, malgré tout ce que l'histoire nous apprend, on se rend compte qu'on est un continent très riche, on est un continent qui a normalement besoin de personnes, et c'est les autres qui ont besoin de ce continent-là, et pourtant, on est le continent aussi qui en pâtit le plus. Et je pensais aussi, à travers justement ma musique, que je pourrais contribuer à donner une autre vision, celle d'un vrai message africain, de dire que les gens qui disent que l'Afrique c'est le futur, ils se trompent. L'Afrique c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Bah, la société mauritanienne, elle est très compliquée, je dirais elle est très complexe. Déjà, on est aujourd'hui un pays multiculturel avec différentes communautés qui y vivent et qui ont un problème, celui de ne pas encore avoir su vivre ensemble. Parce qu'il y a plein de tiraillements, il y a plein de communautarisme, il y a plein d'ethnicisme. On est des Maures, on est des Wolofs, on est des Soninkés, on est des Peuls. Et il y a même des Bambara que certains ne veulent pas accepter. Moi, je suis contre tout ça. Moi, je pense Mauritanien. Au-delà de ça, je pense Africain. Je suis un panafricaniste. Je pense que la Mauritanie peut sortir de tous ces clivages-là. Et c'est à travers le rap, aujourd'hui, qu'on voit qu'il y a une jeunesse qui commence justement à casser certaines barrières. Aujourd'hui, les jeunes se mélangent. L'ancienne génération ou la génération des vieux, entre guillemets, ne se mélange quasiment pas. C'est grâce au rap que nous, on est arrivé à un certain terme où on voit les jeunes Mauritaniens, les uns, aller vers les autres. Et le rap a participé aujourd'hui au réveil, en tout cas a sonné l'alarme. Et pour dire vrai, c'est que le rap est arrivé aujourd'hui à une position de première musique consommé en Mauritanie. Et ça, depuis déjà une dizaine d'années, on est arrivé à cela. Assalamu alaikum Festival, c'est un festival de musique hip-hop à la base, qui est né en 2008 à travers justement un besoin
Parce que jusqu'en 2008, on n'avait pas de scène hip-hop ici en tant qu'artiste. On s'est retrouvé à faire le boulot d'un État qui ne le fait pas, parce qu'on a un ministère de la Culture qui a pour mission, en tout cas, de faciliter, de mettre un cadre pour que les artistes puissent s'épanouir, trouver des structures ou faire la création. Je combat.